L'abécédaire de Yaël. Apprends Dieu avec chaque lettre. Hello. Aujourd'hui, on apprend l'alphabet et des mots chrétiens avec Yaël. Tu es prêt? A. Comme amour. Amour est ce que Dieu ressent pour nous tous, comme un grand câlin qui nous enveloppe toujours. Verset, Dieu est amour. 1 Jean 4 chapitre 8. B. Comme Bible. Bible est le livre où nous découvrons tout sur Dieu, Jésus et la vie chrétienne, comme un guide précieux pour notre vie. Verset, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3 chapitre 16. C. Comme ciel. Ciel est l'endroit où Dieu vit, comme une maison magnifique où nous espérons aller un jour. Verset, le ciel proclame la gloire de Dieu. Psaume 19 chapitre 1. D. Comme Dieu. Dieu est notre Créateur et celui qui nous aime toujours, comme un Père aimant qui veille sur nous partout. Verset, je suis l'Éternel, ton Dieu, Isaïe 41 chapitre 10. E. Comme Église. Église est l'endroit où nous nous réunissons pour prier et apprendre ensemble comme une grande famille de croyants. Verset, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18 chapitre 20. F. Comme foi. Foi est croire en Dieu même sans le voir, comme faire confiance à un ami qui nous guide. Verset, la foi est une assurance des choses qu'on espère, Hébreux 11 chapitre 1. G. Comme grâce. Grâce est un cadeau que Dieu nous donne même si nous ne le méritons pas, comme une surprise pleine de gentillesse. Verset, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2 chapitre 8. H. Comme Alléluia. Alléluia est un mot pour louer Dieu avec joie et gratitude, comme un chant de réjouissance pour tout ce qu'il fait. Verset, louez l'Éternel, Psaume 150 chapitre 1. I. Comme intercession. Intercession est quand nous prions pour les autres et demandons à Dieu de les aider, comme un ami qui se soucie profondément des besoins des autres. Verset, il intercède pour nous auprès de Dieu, Romains 8 chapitre 34. J. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu pour nous montrer son amour et nous sauver, comme un ami fidèle qui nous guide et nous protège. Verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 chapitre 6. K. Comme koinonia. Koinonia est la communion et le partage entre les croyants, comme une grande famille qui se soutient et s'encourage. Verset, il persévérait dans la communion fraternelle. Acte 2 chapitre 42. L. Comme lumière. Lumière est ce qui nous guide sur le bon chemin et nous montre ce qui est vrai, comme une lampe qui éclaire notre route. Verset, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5 chapitre 14. M. Comme miracle. Miracle est une chose spéciale que Dieu fait pour montrer sa puissance et son amour, comme un événement extraordinaire plein de merveilles. Verset, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18 chapitre 27. N. Comme nouvelle vie. Nouvelle vie est ce que nous recevons quand nous croyons en Jésus et commençons une nouvelle aventure avec Dieu, comme un nouveau départ plein d'espoir. Verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 chapitre 17. O. Comme offrande. Offrande est un don que nous faisons à Dieu pour lui montrer notre gratitude, comme un geste de reconnaissance pour toutes ses bénédictions. Verset, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9 chapitre 7. P. Comme paix. Paix est un cadeau de Dieu qui nous calme même quand nous sommes inquiets, comme une couverture douce qui nous réconforte. Verset, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Philippiens 4 chapitre 7. Q. Comme querelle. Querelle est une dispute, et Dieu veut que nous résolvions nos conflits avec amour, comme une réconciliation pleine de gentillesse et de compréhension. Verset, heureux ceux qui procurent la paix. Matthieu 5 chapitre 9. R. Comme rédemption. Rédemption est le pardon de Dieu pour nos erreurs et une nouvelle chance, comme une nouvelle opportunité pour commencer à zéro point. Verset, nous avons la rédemption par son sang. Éphésiens 1 chapitre 7. X.
comme salut. Salut est le cadeau de Dieu quand nous croyons en Jésus, comme un énorme câlin plein d'amour et de sécurité. Verset, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Acte 16, chapitre 31. T. Comme témoignage. Témoignage est quand nous partageons avec les autres ce que Dieu a fait dans notre vie, comme raconter une histoire inspirante pleine de foi. Verset, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, chapitre 8. U. Comme unité. L'unité est quand nous vivons ensemble en harmonie et prenons soin les uns des autres, comme une grande famille unie par l'amour. Verset, préservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, chapitre 3. V. Comme vie éternelle. Vie éternelle est vivre pour toujours avec Dieu dans le ciel, comme un cadeau magnifique qui dure pour toujours. Verset, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, chapitre 3. W. Comme worship, dit adoration. Adoration est quand nous louons Dieu avec nos chants et prières pour exprimer notre amour, comme offrir un cadeau de louange à notre Créateur. Verset, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 150, chapitre 6. X. Comme Christo. Christo est un autre mot pour Jésus, signifiant le Messie, loin de Dieu, comme le Sauveur attendu. Verset, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, chapitre 16. Y. Comme Yeshua. Yeshua est un autre nom pour Jésus, signifiant « Dieu, sauve », comme une promesse de salut et d'amour. Verset, tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple. Matthieu 1, chapitre 21. Z. Comme zèle. Zèle est aimer Dieu de tout notre cœur et vouloir partager son amour avec tout le monde, comme un ardent désir de faire le bien. Verset, l'amour du Christ nous presse, 2 Corinthiens 5, chapitre 14.